Salut tout le monde, c'est moi, MD Pro, on se retrouve pour la quatrième étape du Tour de Pologne. Donc oui, j'ai un peu de retard, effectivement. J'étais pas là, donc désolé les abonnés si vous êtes déçus. Et voilà, pour ce retour en force, je vais faire plusieurs vidéos successivement. Par exemple, là je vais faire Tour de Pologne, la quatrième étape ici, qui est une étape vallonnée avec quatre cols notamment. Et je vais faire également le Tour de France, bien évidemment. Je suis du coup derrière moi, c'est normal, c'est rien du tout, désolé. Donc voilà, alors, leader, Thibaut Pinot. Mettons leader. Alors, on démarre toujours sprinter. Dans les échappées, je vais pas mettre Janson. Gesselin, est-ce que je vais le mettre dans l'échappée? Oui, je vais le mettre dans l'échappée, Gesselin. Donc voilà, je vais aller mettre dans l'échappée, je vais mettre Gesselin et je vais mettre Chenel. Donc voilà, on se retrouve au premier pointage intermédiaire de la journée. Donc je vous dis à tout de suite. Avant, on va voir peut-être les favoris. Alors je suis favori, j'ai cru voir furtivement qui était favori de Nivet. Donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est entre Ožbekin et Sietzvin, une étape de 176 km. Voilà. Nivet, Pinot, Scarponi, Martens, Roche, Janson. Je suis favori de Janson, enfin outsider. Avec Manon, Garderon, Mercato, Uran, Martin, Moreno, Galopin ou Gurland. Donc voilà, si Gurland est favori, c'est bon. Scarponi, ouais, Pinot, Nivet. Donc ça devrait aller. Donc on se retrouve au premier point. Oh non, sprint intermédiaire. Je me suis trompé. Sprint intermédiaire. Kilomètre 19 avec sans doute Arnaud démarre. En tout cas, je ne vais pas laisser de bonne sortie. De retour donc à 6 km du sprint intermédiaire. Donc voilà, j'ai formé mon train. McEwen s'est accroché. Alors à voir. Normalement, ça devrait le faire. T'as envie de faire un gros gros effort. Et je vais lui demander de s'écarter. Voilà, on va mettre un niveau normal. Boigny maintenant va faire le travail. Bon, en espérant que démarre soit en bonne condition. On va voir ce que ça va donner. Voilà, McEwen qui craque un peu. Hein. Voilà, démarre va s'apposer. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oh la moto! Oh là 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 la moto! Ouh, je sais pas ce qui s'est passé. Si vous avez vu, dites-le moi, parce que là j'ai rien vu du tout. Oh là 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 là! Qu'est-ce qui s'est passé avec la moto? Qu'est-ce qui s'est passé avec la moto? Alors là, j'ai rien pigé. Qui comprend m'explique? Franchement là. Oh yo. Il s'est passé un truc là. Oh yo. Il s'est passé un truc là, parce que franchement, j'ai rien capté. Donc voilà, on se retrouve rempli de la montagne, avec certainement Steve Chenel dans l'échappée. A tout de suite. De retour donc à 5 km du sprint de la montagne, donc pour les points du grimpeur. Donc le peloton, je m'en occupe pas trop. Pas que Janson fasse du travail. Mais bon. Voilà, Chenel pour l'instant, mais dans un fauteuil par Stephen Cummings. Donc voilà, je pense qu'il va être disputé, c'est le premier. Pour donner que c'est le premier. Il y a 3 points à celui qui le passe en tête, donc je vais essayer de le passer en tête. Ce serait pas mal du tout. Voilà, 3 km. Je me rapproche, je me rapproche. Je me mets dans la roue de Gianni Mersman. Je me mets dans sa roue, le ou à moins que ce soit Rio. C'est probablement Gianni Mersman. Je me mets dans sa roue en tout cas. Oui, 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 oui. Je vais attaquer. Pas me faire surprendre. Ça attaque aussi. Steve Chenel devrait être le plus rapide. Ou attention Stephen Cummings.
Attention à Cummings qui revient. Ah, je vais passer. Je vais quand même passer en tête. Donc voilà. Ça c'est pas mal du tout, genre premier relais. Voilà, Steve Chanel, voilà. Meilleur grimpeur provisoire de ce tour. De Pologne. Alors que Belletti n'a pas disputé. Donc la chimie va revenir. Voilà, alors les Green Age qui emmènent ce peloton. Alors franchement, dans une bosse, c'est pas là qu'ils vont réduire l'écart. Mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. Dans 10 km, le prochain. Tiens, donc je vais me mettre à l'arrière du peloton, histoire de me faire oublier où William Bonnet n'est pas bien du tout. Voilà, je me mets à l'arrière du groupe, histoire de me faire oublier. Et on se retrouve dans 9 km, dans 8 km à peu près, un peu plus, au deuxième sprint intermédiaire. Du kilomètre 600, donc du deuxième sprint intermédiaire de la journée, je me suis mis dans la roue de David Arroyo Duran. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère le remporter une deuxième fois pour conforter mon avance. C'était pas d'être simple non plus. Attention à Cummings, hein, il a ramassé 2 points, Stephen Cummings. On arrive à la moitié de la course. C'est le moment. Attention, Mirsman. Oui. Je suis idéalement placé. Aïe, 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 aïe. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. On va voir. On va voir. On va voir ce qui va se passer. Si Chanel va réussir à passer. Oui, il va passer. Ouh, non, 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 c'est pas fait. Deuxième, deuxième, deuxième. Voilà. Je suis deuxième. Je suis deuxième. Je suis deuxième. J'ai 7 points. Gianni Mirsman en 6. Derrière le peloton ne semble pas vouloir revenir. Bon. Donc voilà, on se retrouve dans 14 km pour le deuxième sprint de la journée. Donc voilà, c'est un petit peu en retard qu'on se retrouve pour ce Grand Prix de la montagne. Donc Mirsman va passer en tête. Je vais pas pouvoir accrocher une troisième place. Donc voilà, ce ne sert à rien que je le dispute. Gianni Mirsman donc. Un grimpeur provisoire. Donc là, je vais tenter un coup avec Jansson. Avec Jansson qui va attaquer. Je vais faire contre Pino. C'est donc pour... il va retrouver Steve Chanel. C'est pour donc essayer de prendre le maillot. À Robbie McEwen. Je sais pas où il est McEwen. Il est pas bien. Il est pas bien. Il est pas bien du tout McEwen. Que Lions Voigt tente de venir également. On va mettre Pino dans la roue de Jansson. On va voir comment ça réagit dans ce peloton. Ça va être intéressant. À voir. Ouh là là, Pino. Pino, faut qu'il... Il faut que Jansson, il attend, donc. Donc voilà, donc on va se retrouver au sprint intermédiaire, on va voir où ça en est, si j'ai été repris ou non. Voilà, de retour donc. C'est troisième étape, alors là j'ai récupéré Chanel en route, Jansson est sorti avec Pino, donc... Je vais ça, ils vont essayer de me prêter main forte. Le peloton est pas loin du tout. Que ça rattaque, ça, aïe 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 aïe. Ça rattaque, ça roule. Donc là, ils se déchaînent, donc là, ils peuvent plus. C'est bien, j'étais très 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 content de leur travail. Alors, maintenant, je vais faire donc attaquer Pino. Faire attaquer Pino pour rejoindre Gianni Mirsman. Pour peut-être faire quelque chose sur cette étape. Alors Pino qui est parti. Voilà Thibaut Pino qui est parti. Allez, allez, ça peut être pas mal du tout. Ça peut être intéressant. À voir ce qui va se passer là. À 10 km de l'arrivée. L'écart est pas grand. L'écart est pas grand du tout. 50 secondes, je vais passer à le faire. Okay, il va s'arracher Thibaut Pinot.
Ah, donc là, je suis toujours très bien placé avec Demare, Boigny et Uta. Non, je ne suis pas bien placé en fait. Pas bien placé du tout. Ma démarre plus dans une cassure. Ma sœur Boigny essaie de remonter. Là, je devrais pouvoir remporter cette étape. Je devrais, hein, j'ai bien dit. Prendre du temps, ça c'est autre chose. Ça revient très vite. Très vite. Le bon Thibaut Pinot récupère bien sa coureur de grand tour. Voilà, l'écart diminue. L'écart diminue à une vitesse folle. La Thibaut Pinot, il n'a plus grand chose à faire. Je vais pas le faire sprinter. Boigny, où est-ce qu'il est? Je vais faire sprinter tout le monde. Hein. Voilà, j'ai plus rien à perdre du tout. Thibaut Pinot. Je devrais pouvoir remporter cette étape. Hein. Ah, faut qu'il s'arrache. Il y a Carrara qui est parti en sprint. Aïe aïe aïe, Thibaut Pinot, aïe 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 aïe, il tient tête quand même, il tient tête quand même. Aïe, re-sprint, aïe aïe aïe, ça va être chaud entre les deux. Ça va être chaud, deux hommes en tête, 4 secondes d'avance. Thibaut Pinot va s'imposer. Thibaut Pinot va s'imposer ici. Voilà, Thibaut Pinot s'impose sur ses 4e étape du Tour de Pologne. C'est magnifique, c'est magnifique. Tu fais attaquer au bon moment. Super, j'aurais aimé prendre un tout petit peu de temps. Un tout petit peu plus de temps. Voilà, Bossenhagen va prendre certainement la 3e place. J'ai eu chaud. On se retrouve donc. Merci d'avoir vu cette vidéo d'abord. Voilà, donc on se retrouve. Ne manquez surtout pas le Tour de France avec Euskaltel, Euskadi. Ne manquez pas la 5e étape non plus, ne manquez pas bientôt le Tour d'Espagne, et oui la Vuelta c'est bientôt, ça démarre le 15 août je crois. Donc voilà, on fera un temps réel, on essaiera de tenir un rythme, mais bon je m'inquiète pas pour ça. D'ailleurs je ne sais pas non plus quelle équipe je vais prendre pour la Vuelta, hein. Je ne sais pas si Movistar serait la plus appropriée. Pourquoi pas tenter avec la Saxo Bank, avec Contador, tenter avec Nibali. Voilà, donc si vous avez des idées, vous pouvez les écrire en commentaire. Ça me ferait très plaisir, parce que je vois que vous êtes beaucoup plus à vous abonner. Il me semble que c'est 26 abonnés, c'est super. Début, j'en suis à 7000, donc voilà, ça me fait super plaisir. Si vous pouviez continuer comme ça, ce serait super. Vous pouvez me dire également quelle équipe serait la plus appropriée, quelle équipe serait la plus adéquate pour le Tour d'Espagne. Je sais qu'il y a de la montagne, c'est un peu moins dur que le Tour d'Italie, donc je sais pas, vacances soleil avec De Gendt, je sais pas du tout. Peut-être une équipe française, à G2R, pourquoi pas, Robcar. Je sais pas si elle a invité d'ailleurs Robcar. Donc voilà, donnez-moi vos idées, vos commentaires, tout ça, vos critiques. La critique, ça fait partie, voilà. Il y a aussi, vous pouvez dire si vous avez aimé, pouce vert, vous pouvez liker. Tout, puis bien sûr vous abonner, ça je vous le dis même plus. Donc voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo et bon je vous dis salut.